Read my empty books. Sing my silent songs. Pourquoi t'as rien dit? Hein? J'étais en classe ensemble, tu peux pas te souvenir, toi. C'est elle qui m'a parlé d'Isabelle. Faut qu'on parle. Viens boire un verre à la maison. Non, je peux pas, je travaille. Mais Isabelle, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et tu sais, elle est plus là. Oui, elle vit en Alaska. Ah oui, elle vit en Alaska. Elle est fâchée avec nous, ça fait 6 ans. Oui. Tiens, c'est pour toi, à moins que tu l'aies déjà lu. Putain de sardine. Il n'y a jamais eu de foutue baleine à Dublin. Tout juste un vieux capitaine irlandais. Mais ça, il pouvait pas le comprendre. Trop jeune, le petit Bradbury. Bon, moi j'arrête. Je te laisse sur le dos de ta baleine blanche. Tu peux partir maintenant? Et tu la boucles, on n'a pas fini. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas fini? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un gros nez que tu veux me faire, c'est ça? Mais faut pas te gêner, hein. Si ça peut te faire du bien, vas-y, fous-m'en plein la gueule, qu'on en finisse! Non, mais c'est qu'elle se fout de moi, la petite bourge. Parce que ce qui va t'arriver, c'est peut-être autre chose qu'un gros pif. Il fait beaucoup de bruit, mais il est pas méchant. La 43 bouteilles, ça te dit rien? Rien du tout. Du Marcillac. Du quoi? C'est du Beaujolais, ça, non? J'en sais rien, mais c'est du rouge, en tout cas. Mais c'est bon. Oui, c'est bon. Alors t'accouches, quoi, merde? Écoute, Charles, elle aurait fait comment pour prendre autant de bouteilles? C'est pas crédible. Mais merde! Victor, on comprend ton désir de liberté, ton envie d'aller voir ailleurs. Mais ça aurait été bien que tu l'aies eu 10 ans plus tôt, en même temps que tout le monde. Vanessa, elle peut partir en vacances en Espagne avec ses copines. Y a que moi qui dois garder ma petite vie de con, c'est ça? Vanessa, ça n'a rien à voir. Elle est jeune. Mais papa, mais moi aussi, je suis jeune, j'ai 30 ans. Ta mère et moi, on n'a rien contre le fait que tu partes. Mais il faut partir avec un projet. Dans un cadre structuré. Partir avec un sac à dos comme ça, c'est bien beau, mais... C'était une autre époque. À partir de maintenant, on peut plus reculer. Et si le ministre cède pas, qu'est-ce qu'on fait? Faudra prendre les choses en main, Henri. C'est pas ça le métier. Tu peux pas changer ce qui a toujours été comme ça, avec ta pelle et ton sac. Non? Tu peux pas. Tu sens pas que ce que tu portes, c'est l'histoire d'un métier. Et d'un pays? C'est pas la question. Ça n'a rien à voir. Maintenant, tu vas marcher. Je vais t'apprendre à marcher, moi. Avance, connard! Mais avance! Ça te plaît? C'est très bon. Que t'as fait de beau cet été? T'es parti un peu? Non. J'ai un fait spécial, je suis resté. Et pourtant, t'étais dur à joindre. Je sais. Je te manquais? Bon. Un peu. Et tu sais, si des fois t'as besoin d'un coup de main, pour quoi que ce soit, faut pas hésiter à me demander. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait, là? Ah non, je faisais allusion à une aide complètement désintéressée. Ça existe, hein? Oui, ça arrive.